Si vous vous demandez quel effet a l'Apple Watch sur moi, en termes de sport, c'est super simple. Elle me fait faire du vélo à 22h30. Ça suffit. Et ce qui est trop bien quand tu fais du vélo tout seul la nuit, c'est que t'es tout seul. Et ça, c'est super cool. Regarde, il n'y a personne sur la route derrière. Il n'y a personne. Là, hop, il n'y a personne. Avenue Toulouse, à Balma, personne. Hop, là, personne. Je suis tout seul sur mon rond-point, en plein milieu du rond-point. Hop. Et je m'amuse à faire des vidéos parce que c'est trop cool de faire du vélo tout seul le soir. Je vais faire du vélo tout le temps tout seul le soir. C'est juste génial. Bon, par contre, le truc qui est un peu relou, c'est la mesure du pouls sur Apple Watch. C'est pas supra fiable quand on fait du vélo. Ça arrive, il faut que je reste comme ça un petit moment pour que ça me calcule enfin le pouls et que ça m'affiche le pouls. Ce qui est assez dommage pour un truc qui est quand même serré par rapport à quand j'ai fait le test. La montre est bien serrée, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Comme vous le voyez ou pas, derrière moi il y a un bâtiment qui a été fini il n'y a pas très longtemps que ça en construction, enfin qui était en construction et qui l'a fini. Et c'est allumé plein pot dedans en fait, tout le premier rez-de-chaussée, étage, tout allumé. On est, je le rappelle, le 1er mai, donc personne ne travaille puisqu'on est en France. Hein, et le bâtiment surtout n'est pas terminé, donc il n'y a aucune chance qu'il y ait des gens en train de travailler dedans et encore moins des gens en train de construire puisque, je le rappelle, nous sommes un 1er mai. Bravo! J'aime tellement mon vieux Peugeot, les enfants. J'aime tellement ce vélo.